En vrai, hein. Pour de vrai, même moi je peux faire ça. En vrai de vrai. C'est le Star NC2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Parce que je sais pas du tout pourquoi ils font ça en fait. Vidéo de Black Lightning. Je vois pas pourquoi ils veulent faire ça. Black Lightning. Je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça en fait, la CW. De toute façon, la CW, ils se lancent un peu dans tout et n'importe quoi. Je vois pas trop pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer dedans en fait. Il n'y a pas d'intérêt précis. D'un côté, c'est un super-héros noir, ça change un peu. Même si on a Wally dans Flash, etc. Mais là, c'est le super-héros de base qui est noir, donc ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, c'est un super-héros que je connais très, très, très vite fait. Mais vraiment très vite fait. Autant que Nova des Gardiens de la Galaxie. Donc voilà. C'est parti. Black Lightning was a savior who kept our streets and our schools safe. Oh, c'est stylé. He was hope personified. But he was also Jefferson Pierce. My father. Oh, ça promet d'être intéressant. That he saved more lives as the principal of Garfield High But than he ever did as Black Lightning. But without Black Lightning, violence in the streets by the 100 gang multiplied. Our children are dying in these streets and no one cares. The anger was just under the surface for all of us. The whole city was ready to explode. He could only bury who he really was for so long. The city is getting more and more dangerous every moment. Oh là là. Oh la V2. Excuse me. I'm not afraid of the 100. Yes, you should be. Oh. You mess with me, my sister, my mother, or the innocent in the city, you're gonna get lit up. Oh là là. Is that your car? Yeah. It was nice. Hashtag Black Lightning's back. Black Lightning's back. Yes. Ok. Alors, je suis chaud. Ils ont rechangé un peu toute l'histoire, en fait. Ils ont changé toute l'histoire, ouais. Ils ont changé toute l'histoire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Alors, par contre, les effets, je pense qu'ils... Là, alors, par contre, je suis désolé de dire ça, mais ça se voit, ils ont mis largement moins d'effets dans ça que dans The Flash. Alors qu'en soi, Flash, ça aurait été sûrement un peu plus compliqué à le faire. Mais non, dans Flash, je trouve que les effets de vitesse sont assez bien faits pour une série. Pour une série, faut pas non plus pour une série. Parce qu'il manque beaucoup de choses à Flash, mais au niveau des effets, ça va, ça passe. Là, c'est... Même moi, je peux faire ça. En vrai, hein. Pour de vrai, même moi, je peux faire ça. En vrai, de vrai. Même à un moment, la fille qui fait ça et on voit ce genre de veines, etc., je peux le faire moi-même aussi. Donc, ouais, ça c'est des trucs que je peux faire aussi. Donc, vite fait quoi.
Maintenant, non, c'est bien réalisé quand même, c'est bien réalisé. Alors, je pense que je regarderai, mais vu la façon dont ils ont tourné ça, la façon dont ils ont fait ça, etc., si les 5 premiers épisodes me plaisent pas, je vais arrêter. Je pense. Je pense que je finirai pas la première saison si c'est pas intéressant. S'il n'y a pas une vraie accroche. En tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être cool. On va voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un super-héros que vous connaissiez déjà, etc. Alors, le mauvais côté, je pense, dans ça, c'est qu'ils l'ont vieilli et qu'il revient en mode le mec, il est vieux, mais bon, il a pas le choix, donc il revient. Ça, déjà, ça part du principe que même si t'as un meilleur costume, t'es rouillé de l'intérieur quand même. C'est ce qui bloque, en fait. Du coup, ça bloque une marge de progression que t'aurais pu avoir. Enfin bref, c'était Losters. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Tchuss!